Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Nous avons souhaité, avec mon collègue et ami ministre des Affaires étrangères, des Relations extérieures mexicaines, dire quelques mots. Ensuite, s'il y a deux, trois questions, nous sommes à votre disposition. D'abord, je veux très chaleureusement remercier mon collègue et ami, le ministre mexicain des Relations extérieures, d'être ici avec d'autres collègues du gouvernement mexicain, ministre de l'économie, ministre de l'éducation publique. Cela montre l'excellence tout à fait exceptionnelle des relations entre le Mexique et la France. J'ai eu l'occasion de me rendre moi-même au Mexique au mois de juillet dernier. J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, nos amis mexicains sont là. L'année prochaine, nous aurons le double honneur d'avoir une visite du président français au Mexique et du président mexicain en France ensuite. Vraiment, ces relations sont excellentes dans tous les domaines. Dans le domaine politique, nous venons de confronter nos analyses qui sont identiques sur les grands problèmes du monde. Dans le domaine des relations bilatérales, sur le plan économique, sur le plan éducatif, culturel, nous travaillons beaucoup ensemble, nous voulons travailler encore plus ensemble. Et nous en aurons l'occasion, puisque sur les grandes réformes qu'est en train d'opérer le Mexique, il y a place pour une excellente coopération bilatérale. Cet après-midi, le président de la République recevra d'abord mon collègue et ami, ensuite le conseil stratégique qui a été mis sur pied, qui avance de manière très concrète, positive. Moi-même, j'aurai à déjeuner dans un instant les membres du Conseil, plus plusieurs ministres des deux gouvernements. Bref, les choses sont excellentes dans la relation entre le Mexique et la France. Et nous avons décidé, de ce point de vue-là, que sur un certain nombre de sujets internationaux aussi, je pense à la préparation de la conférence sur le climat de 2015. Je pense à une certaine approche de la lutte contre la prolifération nucléaire et d'autres thèmes ensemble. Mexique et France vont cheminer ensemble. Bref, je me tais. Je veux remercier beaucoup le ministre des Relations extérieures mexicain d'être là et souligner à nouveau à quel point cette relation est exceptionnelle.